Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne d'Addict Drone. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on attend depuis très très longtemps, c'est l'unboxing du Parrot Bebop 2 Pack FPV. Commençons par regarder sur les côtés de la boîte. Nous pouvons voir diverses informations sur le drone. À l'intérieur de la boîte, on trouvera deux parties, une partie composée du drone et ses accessoires, et une partie composée de la manette et le casque FPV. Donc on va commencer par ouvrir la boîte du pack FPV pour finir par le meilleur pour la fin, tout simplement. En premier, on va voir les Cockpit Glasses 1, dont on va voir le fonctionnement tout de suite. Pour ce qui s'agit du fonctionnement du casque, c'est très simple, il vous suffira juste de glisser votre téléphone à l'intérieur du boîtier prévu à cet effet et de l'aligner en fonction des lignes dessinées sur votre écran et dessinées à l'intérieur du boîtier. Petite information, ne mettez pas vos lentilles face au soleil, cela risquerait de brûler votre écran. Donc ensuite, dans la boîte, on peut trouver le Sky Controller 2. Donc tout d'abord, on peut dire qu'il ressemble quand même beaucoup au Flypad utilisé sur le Parrot Mambo et les Parrot Swing. On y retrouve presque les mêmes boutons, avec les boutons prendre une photo et une vidéo, et le bouton Return to Home qui permettra à votre drone de revenir automatiquement à l'endroit où il a décollé. Ensuite, à l'arrière de la télécommande, on retrouvera des petites gâchettes et des molettes qui permettront par exemple de régler le contraste de votre vidéo ou de régler l'inclinaison verticale de votre caméra. Ici, nous avons fixé le support de téléphone et de tablette qu'on peut tourner et qu'on peut aussi régler en largeur en fonction de votre téléphone. Sur le côté gauche de la manette, vous pouvez trouver un port USB qui permettra de connecter votre téléphone au Sky Controller pour voir en direct ce que filme le drone. Ensuite, dans la boîte, nous pouvons trouver le fil en question pour relier le Sky Controller à votre téléphone. Nous trouvons aussi une petite notice d'utilisation qui vous apprendra comment débuter avec votre drone et comment le mettre en place. On passe tout de suite à l'unboxing du Bebop. C'est bon, on a sorti tous les objets de la boîte. Donc sur la gauche, on commence avec une petite boîte qui contient l'outil de montage des hélices ainsi que le câble pour recharger la batterie. Et en dessous, on peut voir tous les adaptateurs de différents pays pour que vous n'ayez pas de problème si vous partez en voyage pour charger votre batterie. Elles viendront se clipser très facilement sur leur support. Ensuite, on retrouve une autre petite notice d'utilisation. Je la trouve un petit peu moins précise que la précédente fournie dans le pack FPV, mais ça change rien, c'est toujours ça. C'est parti pour le montage des hélices. On se retrouve juste après ce petit timelapse. Avant de faire voler votre drone, il ne vous suffira plus que d'enlever le cache qui sert à protéger la caméra. En parlant de cette caméra, c'est une caméra 1080p Full HD. Elle filme en 30 fps et est stabilisée sur 3 axes, ce qui rend vraiment la caméra très très stable. Et ça permet vraiment au drone d'avoir des vidéos très bien stabilisées, sans même avoir des stabilisateurs mécaniques comme par exemple les drones de chez DJI. Concernant les batteries, c'est une très bonne chose que nous propose Parrot, car les batteries peuvent tenir au maximum 25 minutes en vol et mettre moins de 1 heure à se recharger. Donc pour faire voler votre drone, il vous suffit d'appuyer sur le bouton blanc à l'arrière de celui-ci et d'allumer la manette tout simplement en appuyant sur le bouton blanc au milieu de celle-ci. Au bout de quelques secondes, ici 12 secondes, le drone et la manette seront connectés et vous serez prêt à voler.
Et voilà les amis, pour cette vidéo, c'est déjà terminé. On se retrouve très bientôt pour le test du Bebop qu'on attend avec impatience. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Abonne-toi !